Vous suivez Newsday. Très chers amis internautes, nous sommes dans Newsday, votre espace qui vous donne des informations sur l'actualité. Pour ce numéro, nous avons accosté le sujet de la cybercriminalité, ce phénomène qui continue de ravager sur l'Internet. Nous avons posé nos valises au Cameroun où cette pratique excelle, plus précisément le cas de la Fondation Samuel Eto'o qui est ciblée par ces malfrats. Je suis Angeline Aïcha Kounadi et encore une fois, bienvenue sur AD Communication. Vous suivez Newsday. La Fondation Samuel Eto'o, créée le 26 janvier 2014, elle vise à devenir un modèle pour le reste du monde du football grâce à une architecture conçue et mise en place par Pitch Africa. L'objectif de la Fondation est de protéger l'enfance et la jeunesse en apportant des aides d'urgence et en encourageant l'éducation, la santé des bases et l'intégration sociale pour les plus défavorisés. À ce jour, la Fondation Samuel Eto'o est à la tête de toute une série de projets liés à la scolarisation, à l'éducation, à la coopération et au développement de l'enfance au Cameroun. La Fondation a récemment étendu son champ d'action à des nouvelles zones à l'intérieur du continent. Le but est de faire en sorte que le projet bénéficie à un nombre de plus en plus important de personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême. La Fondation Samuel Eto'o exerce ses activités grâce au soutien des particuliers bénévoles en Espagne et en Afrique qui participent aux différents projets à partir de leur définition et jusqu'à leur mise en œuvre. Les sources principales de ces contributions sont les membres du mécénat, les organisations gouvernementales et les groupes du secteur non gouvernemental et privé particulier. En parlant de la politique de transparence à la Fondation Samuel Eto'o, le contrôle et l'évaluation de la gestion des fonds sont rigoureux et constants. Les comptes annuels de la Fondation sont déposés auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales selon l'article 25 de la loi 50-2002 du 26 décembre du Cameroun. La Fondation privée Samuel Eto'o travaille pour apporter son soutien aux trois principales phases de la croissance de ses enfants, comme elle bénéficie d'une connaissance à la source du continent africain. Vous suivez Newsday. La mise en œuvre différents projets pour garantir un minimum de conditions de survie et de santé, celles qui permettent un développement ultérieur dans le cadre de la lutte pour l'éradication de la pauvreté. Offrir une éducation des bases, des qualités qu'elle peut compléter et utiliser comme un outil pour parvenir à une intégration sociale sûre. Encourager la possibilité de développer les capacités individuelles de tous les enfants au moyen de bourses, de formation et d'aide aux activités culturelles ou en soutenant leurs habiletés sportives. En définitive, un minimum de conditions de vie, une éducation des bases et des études ou une carrière sportive qui non seulement leur permettent de se forger une place dans la société, mais aussi de contribuer à l'avenir de celle-ci. Vous pouvez donc laisser vos commentaires et le seul numéro pour avoir accès à la Fondation Samuel Eto'o est juste au bas de l'écran. Nous retrouvons plusieurs publications sur la Fondation, mais malheureusement, ce sont tous des escrocs. Samuel Eto'o fils, par le biais des AD Communication, vous interpelle encore une fois de ne pas vous faire avoir par ces bandits.
Après quelques enquêtes menées par AT Communication, ce sont nos frères camerounais, même qui exercent ce métier de cybercriminalité au nom de Samuel Etofis. Chers Camerounais, si vous aimez vraiment le neuf, l'ancien capitaine des Lions, indomptable de votre pays, vous devez arrêter cette pratique en son nom. C'était donc le premier numéro sur la cybercriminalité sur AT Communication avec Angeline Aïcha Kounadi. On rappelle qu'on a eu la collaboration du fondateur Samuel Etofis. Mesdames et messieurs, avant de clore mes propos, je voudrais que vous reteniez ceci. Sachez que c'est ensemble que nous allons pouvoir mettre fin à la cybercriminalité. Soyez vigilants et prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un deuxième numéro. Vous suivez Newsday.